Ah, je devrais peut-être faire une pause. Hein? C'est bizarre. J'ai pourtant entendu un bruit. Briard? Bramber? Salut. Hein? Non! Briard, t'es malade? Je vais mettre un terme à tout ça. Mais de quoi tu parles? Pas la peine de jouer les idiots. Où va-t-on voir, mon pote? On ne te laissera pas finir cette machine pour abattre les arbres. Ça suffit, ça. Tu crois qu'on a frappé trop fort? Non, il va s'en remettre. Arrêtez, c'est pas pour de l'abattage, c'est le laser giganteur de Tesla. Le J quoi? Il a dit... c'est cela. Faux. Ça se prononce Tesla. Nikolai Tesla. Il a l'air important. Ça, oui. Il a inventé le système de courant alternatif alors qu'il n'avait que 30 ans. Puis il a inventé la bobine Tesla, la technologie radiographique, les torpilles. Mais il ne s'est pas arrêté là. Sa plus grande invention est... le laser giganteur. Waouh. Tiens, c'est le schéma. Imagine un peu la mie. Avec cette machine, un crouton devient une miche. Un œuf se change en grosse omelette. C'est pas tout. Un bâton se change en arbre. Ah, oui, je la prends, moi. Alors, vous me croyez maintenant? C'est pas pour abattre les arbres? Oui, on te croit. Quelle perte de temps. Allô, maman? Oui, oui. Je devrais peut-être faire une pause. C'est bizarre. J'ai pourtant entendu un bruit. Briard? Bramber? Salut. Briard, t'es malade? Je vais mettre un terme à tout ça. Mais de quoi tu parles? Pas la peine de jouer les idiots. Où va-t-on voir, mon pote? On te laissera pas finir cette machine pour abattre les arbres. Ça suffit, ça. Tu crois qu'on a frappé trop fort? Non, il va s'en remettre. Arrêtez, c'est pas pour de l'abattage, c'est le laser giganteur de Tesla. Le J quoi? Il a dit... c'est cela. Faux. Ça se prononce Tesla. Nikolai Tesla. Il a l'air important. Ça, oui. Il a inventé le système de courant alternatif alors qu'il n'avait que 30 ans. Puis il a inventé la bobine Tesla, la technologie radiographique, les torpilles. Mais il ne s'est pas arrêté là. Sa plus grande invention est... le laser giganteur. Waouh. Tiens, c'est le schéma. Imagine un peu la mie. Avec cette machine, un crouton devient une miche. Un œuf se change en grosse omelette. C'est pas tout. Un bâton se change en arbre. Oui, je la prends, moi. Alors, vous me croyez maintenant? C'est pas pour abattre les arbres? Oui, on te croit. Quelle perte de temps. Allô, maman? Oui, oui. Je devrais peut-être faire une pause. C'est bizarre. J'ai pourtant entendu un bruit.
Briard? Bramble? Salut! Hein? Oh ah, non! Briard, t'es malade? Je vais mettre un terme à tout ça! Mais de quoi tu parles? Mais, pas la peine de jouer les idiots! Où va-t-il avoir, mon pote? On ne te laissera pas finir cette machine pour abattre les arbres! Ça suffit, ça! Tu crois qu'on a frappé trop fort? Non, il va s'en remettre. Arrêtez, c'est pas pour de l'abattage, c'est le laser gigantor de Tesla. Le J quoi? Il a dit, c'est cela. Faux. Ça se prononce Tesla. Nikolai Tesla. Il a l'air important. Ça, oui. Il a inventé le système de courant alternatif alors qu'il n'avait que 30 ans. Puis il a inventé la bobine Tesla, la technologie radiographique, les torpilles. Mais il ne s'est pas arrêté là. Sa plus grande invention est... le laser gigantor. Wow. Tiens, c'est le schéma. Imagine un peu la mie. Avec cette machine, un croûton devient une miche. Un œuf se change en grosse omelette. C'est pas tout, un bâton se change en arbre. Ah, oui, je la prends, moi. Alors, vous me croyez maintenant? C'est pas pour abattre les arbres? Oui, on te croit. Quelle perte de temps! Allô, maman? Oui, oui.